Le documentaire que les films du Compas ont l'honneur de vous présenter est de René Zubeyre et Roger Lénard, avec la collaboration de Suzanne Laroche. Prise de vue, Maurice Théry. Assistant, Étienne Laroche. Musique de Maurice Jobeil. Enregistrement de Tony Lénard sur Caméra Éclair Radio. En Crète, sans les dieux. À 3000 km de Paris, dernière marche d'Europe au plein sud, dans une mer où jouaient les sirènes, belle comme une promesse, une île. Côte hautaine et plage déserte. Tout voisin des rivages, déjà les sommets. Vie simple, proche des plus simples éléments, l'argile et l'eau. L'Argentine et le Canada brûlent des tonnes de céréales. En Crète, on ne redoute pas l'abondance. Les hommes n'attendent leur pain que de leurs épis, et lentement va le grave carrousel des batteurs de blé, car chaque grain compte. Et, comme tous les bourricots du monde, l'âne portait le blé au moulin. Crétois, aux phoques de toile blanche, plus modestes que ceux de Hollande, moins tapageurs qu'à la galette, frères des virvires de Provence, leur tourniquet est comme une cible pour quelques Don Quichotte invisible, et leur tic-tac l'écho d'une vieille chanson. Pendant que le moulin tournait, que la farine blanchissait,
Le meunier gardait l'âne. Meunier Tudor. Meunier Tudor, ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Dans les villages des montagnes, les hommes marchandent et palabrent. Les femmes cardent, tissent ou dévident les blancs des chevaux. Les jours de fête, tout s'anime. Il y a noces au village. La population entière fait escorte aux mariés, chacun portant une pièce du trousseau, qui sa couverture, qui son oreiller. Le prêtre du village, tirant un débonnaire, le papasse, dirige le cortège. Et enfin, montée sur une mule grise, sérieuse et grave, l'épousée, dans une toilette qui ferait douter de la couleur locale. La voici sur le seuil nuptial. Signe de croix à la pointe du poignard, et ensuite une symbolique cuillerée de miel. Enfin, parmi les acclamations, par les fenêtres, par la porte, voici le trousseau, le cadeau de noces et le grand coffre du mariage. Héros de l'indépendance grecque,
bergers ou forgerons, marchands ou paysans, sont les notables du village. Au soir des noces, sur le mail, ils mènent la danse. Danse nationale, le padozzani. Et comme dit la chanson crétoise, je n'aime rien tant que le padozzani qui va quatre pas en avant et trois pas en arrière. De routes praticables. Sur les cailloux tranchants des sentiers, il faut la botte du montagnard, ou le sabot agile et sûr des mulets crétois, sans pompons ni sonnailles. Parfois, dans une vallée isolée, le voyageur rencontre un témoignage d'histoire. Car dans ce pays, qui passa des siècles sous la domination turque, la civilisation a été conservée à l'abri des murs épais des monastères. Monastères d'Orient, couvents orthodoxes, si différent de nos trappes et de nos chartreuses, et où la croix chrétienne voisine avec le dôme byzantin. Au-dessus de l'entrée, on peut lire « La porte du paradis est aussi une porte étroite ». Thank you.
Hospitalité crétoise. Nous boirons le raki parfumé et nous croquerons les petites amandes au miel. La règle monastique n'est pas sévère. Café, cigarette, si c'est là la vie que les moines font. Dans les oliveraies voisines, les troupeaux du monastère. Le petit port sentait les coquillages et la cannelle. Vers quelle terre voisine levait l'ancre? Quio, Lesbos, toutes les Cyclades. L'île de l'amour n'est pas loin, et c'est ainsi, dans l'aube douce, qu'on s'embarquerait pour Cythère. Mais l'Orient apporte ici, avec les roses et les aromates, sa crasse, son mystère et ses fléaux. Et l'île qui s'avance est l'île des lépreux. Spina longa, longue épine de rocher, flanquée de ses tours dont Venise fit jadis à la Méditerranée une ceinture. Nul sur les fortifications ne guette plus les pirates barbares, mais les remparts en ruine défendent encore la plus étrange des garnisons. Trois cents lépreux vivent là, parqués, claustrés, séquestrés, sans même l'espoir d'une impossible guérison. Lèpre, mal sacré, plaie d'Égypte, pourriture. Avec quels yeux, par les trous des murailles, les habitants regardent-ils vers l'horizon, vers le monde des vivants, où ils ne retourneront pas?
Et pourtant, dans l'île, des enfants naissent, promis à la contagion. Les hommes parlent, rient, la vie y passe comme ailleurs, jusqu'à la lèpre commune où va toute chair. Prestige des guides bleus. On ne quittera pas la Crète sans rendre visite au lieu. Mais, neuve dans son ciment armé, la capitale légendaire déroute l'amoureux des vieilles pierres. Et les touristes en culottes de golf franchissent le seuil par où, 3000 ans déjà avant le Parthénon, les guerriers égéens pénétraient dans le palais du roi Minos. Le fameux labyrinthe ne manquait d'ailleurs pas de confort, on y retrouve des canalisations d'eau courante, et voici l'égout le plus ancien du monde. Les celliers et les jarres à huile sont intacts. Les poteries retrouvées en morceaux sont patiemment reconstituées. L'opération tient du raccommodage de porcelaine, du jeu de puzzle et de la plus savante céramographie. Et voilà peut-être la vaisselle de Pasiphaé, la cruche avec laquelle Ariane donnait à boire à son amant Thésée. Cependant demeure le signe de la bête sacrée, du mangeur de vierges, du taureau. Depuis les cornes géantes du Minotaure, au-dessus de la campagne silencieuse, jusqu'à ces corridas surprenantes, dont témoignent encore, sur le fronton du temple, les grandes fresques de Gnossos. Candie, sans port, sans trafic, retour à la vie moderne. On charge, pour l'exportation, les caisses de raisins secs. Devant le vieil arsenal vénitien, les tartanes aux voiles rouges ont fait place aux chalands et aux remorqueurs. Mais sur la terre aux divinités défuntes, les nouveaux dieux d'acier et de charbon échappent à la laideur, et sur le ciel de Crète, les cheminées d'usines sont encore des colonnes.